cadrer ma caméra, je commence très mal mon direct. Bonjour tout le monde et bonjour. Ah, besoin de découvrir cette semaine. Nouveauté dont je vais parler. J'ai réussi un petit peu à bosser. Donc, pardonnez-moi, mais la fatigue va se voir. Et ça, c'est un truc que forcément. Autant le week-end, je vais avoir plaisir. Autant de soupape de parler dans des temps. Autant là, la fatigue, parfois, je vais me faire trahir, ça va se voir. Et tant que je serai apte à donner du spectacle, j'ai envie de faire correct, je prendrai l'antenne. Voilà. Ça, c'est l'alerte sur ma tablette. Moi-même, je suis en direct. C'est bien la technologie quand ça marche. Oh là 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 là. Oh, c'est rigolo. Oh, je présente comme un sagouin. C'est... Bon, on va faire du Grand Tourisme 3. Changer. Oh là 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 là. Oh non, sérieusement. Que faisons-nous? Envie. Il y a mon curseur. Et si je peux un autre. Voir si je peux. Si tu peux me battre. Okay, allez. Salutations. Merde. Non, j'ai fait une bêtise. J'ai pas le fou, je devrais l'avoir. Bien le bonjour, bonsoir à toute la compagnie. Je sais pas si ça se voit, j'ai essayé de bosser un peu les cadres. Je sais pas du temps à faire un semblant de cadre en 3D. Donc j'ai fait une cluster un peu cochonne de l'horloge. Je verrai si je peux utiliser plus tard, c'est-à-dire je pense à cette porte du dé. J'suis assez content du résultat. On s'approche vraiment de la version finale de ce que j'aimerais mettre. C'est le prêt, j'ai envie de dire. C'est bien, c'est cool. Que dire que... Puis-je mettre un petit entraînement? Quel est petit bonbon. Oh, la joie d'être un petit. Ah, c'est Rome, mais à l'envers. Oh, mais c'est une Toyota Yaris de Roman. C'est les derniers. Alors que je rappelle la mienne, censée. Waouh! Non mais ils vont tous être des héros!
Franchement, la Toyota Yaris, elle est capable de... Non, t'as une performance. Une double pousse. Que signe. Allez, je suis... Alors, j'ai plus de repères. Non mais ils vont tous mettre un vent. Oui, c'est une catastrophe. J'abandonne, je suis lâche. Ah non, pitié. Ah mais c'est dingue. Ah là, la barre est haute là. Parfait, ah oui. Bon bah, il faut que je me batte avec des trucs. Reste un peu tranquille. Attends, je vais vérifier celle-là, elle fait... Oh. Ah bah, je vais prendre l'adopter à quelque chose. Génie. Elle dit, oui. Ah, j'avais déjà tout gagné. Quatrième montagne, oui. Ah oui. Il faudra que je fasse ma test pour avoir la chance. Ouais. Eh bien,
bien. Échappé. Ah mais je suis nul aujourd'hui. Une catastrophe. Oh le spoliarier. L'impression. Oh non, mais j'ai fait n'importe quoi. Et où? On va aller décoller. Et bon, c'est bon, accès. On ne lasse pas de les... Merci. Et alors, allez. Oh non, comment qu'il va griller sur la fin. Suspense. Oh, j'ai pas. Oi, oi, oi.
Quelqu'un, alors là j'ai configuré vachement bien mon bazar, je vois que quelqu'un est arrivé sur le chat, robot, pas de masque. Alors, je fais ma petite blague sur les films, bazar. Non, parce qu'en fait je pensais qu'il y a zéro spectacle. Ah, ça ne fait rire que moi. Je suis content, mon truc fonctionne. Ça va pas être... Allez. Dire que c'est un jeu sans enjeu. Si je gagne tant de jeux, j'ai la vie. À mon avis, je vais perdre parce que c'est une accélération. Vas-y. Regarde, on a une bonne vitesse de pointe.
ça. Côté pour une boîte de... Je suis en train de se... Hop, hop, hop. Oh là là, c'est très cool. Oh là là, oui, on l'a même devant, c'est la guerre. Oh là là. Que j'achète les gommes. Là, ça m'évitera d'aller aussi. Au moins d'intérance. Enfin, les gommes. Ouais, si on pense. La chaîne Twitch du Sage est actuellement en phase de test bêta, afin de vous garantir des émissions de qualité à partir du 1er janvier 2022. Dans l'immédiat, vous observez actuellement le signal depuis le canal secondaire, le -robot-bas-du-bas-sage-bas-de-bas-nancy, mais vous êtes invité à interagir dans le chat de la chaîne principale, https.
quoi, il me met 30 secondes. Ça va être une vraie course. Les contrats, je suis pas même très vrai. J'ai envie de faire un petit peu. Oh. Oh là 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 là.
Donc, c'est une catastrophe. Je suis très loin derrière. 42 minutes pour toi. S4. Oh, la Celica des fous que j'ai coupé avec la Toyota Supra. Alors que c'est ma voiture fabrique. Mon dieu, je suis aux fraises aujourd'hui. Dans les maps. Je reconnais même pas ma bagnole favorite. Rien ne va plus. Faites pas vos jeux. La chaîne Twitch du Sage est actuellement en phase de test bêta, afin de vous garantir des émissions de qualité à partir du 1er janvier 2022. Dans l'immédiat, vous observez actuellement le signal depuis le canal secondaire, le -barobo-bas-du-bas-sage-bas-de-bas-nancy, mais vous êtes invité à interagir dans le chat de la chaîne principale, https. Ah pareil, il y a Minecraft aussi.
Non, je le fais. Maintenant, je... Ah, j'ai envie de tenter de peaufiner l'horloge. Ouais. Ah, c'est pas qui est... Je pense qu'on est trop près du port, il y a un effet aimant. Voilà, du coup. Ah, on reste un peu sur... On peut dire que si je... J'ai bien visé... Qu'est-ce que ça? Oh! Oh, ça m'a l'air très beau, ça. Ça me plaît beaucoup. Là, franchement, l'horloge, elle est mieux. Moi, je dis... Ah, ça... Pardon, mais je suis content, ça fait stylé. Ah, c'est...
Westbrook, pareil, putain. Il y a un bug dans le jeu de pêche là. J'ai validé la dernière phrase dans le jeu de pêche. Maladroitement. Dans le jeu de pêche. Ah, en parlant de recettes, faut que j'en rajoute une. Voilà. Je vais pas le faire maintenant, je vais faire en tête. Bon, sérieux, les gens? Oh, attends. Faire du mal. Pas les heures qui. Pardon. Pas mal long. Je l'ai déjà deux. Ah oui. Ok. Peut-être juste. Ah non, attends. T'arrives. Non, je... Oh Dieu. On va commencer. Oh, pas mal. Moi j'ai envie de mettre. Et un juste. Oh tiens, la couleur. Ouais. Propre. J'aurais fait un rallye. D'ailleurs, est-ce que je fais un rallye avec? Oui. Tiens, elle va vraiment me servir.
Tiens, je tente de... Ouais, allez, soyons. J'essaie de faire le championnat là dans une heure.
Bonjour SDR, que je viens de vous voir d'un... Je sais pas ce que tu dis. Hello, bonjour. Je vais essayer de prendre un petit... Tu vas bien. Bref, je découvre... Qui tu sais. Attends, t'as plus... Ouais, voilà, là c'est bien. Bien le bonjour, bonsoir à toute la compagnie. Alors, je passe à... Comment ça va? Ah, ça va bien, merci. Moi, pour ma part, bon, je suis fatigué de ma semaine, mais j'étais de bonne humeur. Enfin, le week-end était pour ça. Et non, je suis content, j'ai plein de petites nouveautés. Alors, spectateur, c'est pas forcément apparent, mais pour moi, diffuseur, ça me facilite la vie. Ce que tu peux voir... Ouais, merci. Oh oui, bah les sons, il y en a plein. J'arrive à faire une incrustation plus pro. J'ai bossé mes cadres en 3D. J'ai fait un effet 3D dans mes cadres gris en haut. Et ça donne du relief à de la tronche. J'ai réussi à bien centrer mon horloge dans le cadre. Donc ça fait pro, ça fait bien. Vraiment ravi. Ça, c'est le petit détail qui est en plus. Attends, je vais mettre le ralenti. Je sais pas si ma voix est bien audible, normalement j'ai pas changé mes paramètres. Oui, là où ça me facilite la vie, en fait, je me suis trouvé un utilitaire extraordinaire qui s'appelle Chatty et qui répond à mon besoin. Je voulais pouvoir faire une sauvegarde de l'intégralité de mon chat quand je diffuse, que je puisse consulter dans un fichier après en semaine. Parce que ça va m'aider pour deux trucs principalement. S'il y a des incidents, je puisse voir ce qui s'est passé, l'historique de l'incident et le régler. Et surtout, évitez de vous mettre un vent. J'ai remarqué dans mes précédents ralentis, j'ai loupé plusieurs questions, que ce soit toi, Zexus, Jess, Anne. Et ça va me permettre de les reprendre pour pouvoir vous répondre après. Voilà. Donc d'une émission à une autre, parfois je reprendrai les précédentes questions que j'ai loupées par inattention. Mais pouvoir répondre ensuite. Oui, merci pour le chapeau. Ah, j'en ai plusieurs. Hein, le concept de me faire porter le chapeau, je m'amuserai un peu à faire le gynolo régulièrement. La chance d'avoir du matériel. Oui, je suis sur le bon chemin. Ouais, je suis bien. Je suis en train d'automatiser ma chaîne. Comme je le rêvais en fait. Je suis très proche en fait de ma version finale de ce qu'on a fait dans le charge, l'objectif à atteindre. De te montrer à chaud. Voilà. Tu vois le logiciel en question. Donc c'est super, c'est génial. Ouais, en même temps, tu peux suivre plusieurs chaînes. Donc je suis ma secondaire robot pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est perdu dedans. J'ai des notifications qui apparaissent sur impression comme
Discord, c'est franchement c'est top. C'est le logiciel dont je rêvais. Ouais, c'est cool. Ça va m'aider à bien gérer. Je remets le jeu, c'était juste pour créer rapidement le logiciel. Donc c'est Chatty qui s'appelle, on le voit là avec. Oh. Ah oui, il y a aussi il y a l'objectif de but. Amuser à intégrer la jauge de d'elle. On a même fait une. La chaîne robot, mais je l'ai pas mise. D'ailleurs, attends, je peux peut-être m'amuser à la changer. Ah oui. Ah. Attends. Ouais, entre. Tu vois, j'ai mis la petite à... Parce que j'en veux pas beaucoup de toute façon. Enfin, c'est un faux objectif. Mais c'est pour... Oui, ça va venir. Et voilà, test objectif, cadre baisse à inclure. En fait, ça marche. Je me suis servi de ça pour faire mon test ce matin. Rapport à cette nouvelle fonctionnalité de... Ouais, pour arriver à 5. Non, attends, je vais remettre le bon. Hop. Oh. Ah, je me suis coupé d'un caractère. Ça marche bien, c'est... Là. Attends, je peux remettre mon chatty au premier plan et voilà. Là, alors, parmi les nouveautés. Oui, mais tu sais, quand j'aurai un petit peu de temps à investir la chaîne, je ferai. Le petit, mais ouais, il est un peu plus con. Essentiel, ouais, c'est de passer un peu. Oui, c'est ça le partage en moi. Non, plus c'est génial, enfin, je vais pas radoter, hein. Je l'ai dit dans un numéro précédent. La nouvelle technologie, c'est génial de pouvoir moi me détendre, d'offrir un moment de détente, d'apprécier que je sois bavard comme ça, pouvoir échanger, c'est génial par exemple. Oui, pardon. J'ai ma petite fiche de travail. Alors, je vais te présenter deux trucs. Une petite nouveauté par rapport à vos tours de la semaine dernière. Mon clavier, parce que je vais faire la démo dans le chat. Tu vas le voir dans le chat. Alors, je viens de te parler de Chatty avec le fait de pouvoir prendre vos questions. Mais j'ai créé une fonctionnalité grâce à Wisebot. Vous allez pouvoir cumuler vos questions dans une foire aux questions. Donc, je vais faire la démo de la commande. Bon, j'ai écrit n'importe quoi. Je suis un exemple bidon. Moi. Voilà. Là, je vais me faire point d'exclamation FAQ, par question. Il y a un synonyme aussi, tu peux faire point d'exclamation question au singulier. Suivi entre guillemets de ta question. Et il faut essayer de mettre, parce que moi je le vois pas dans la liste. Mettre son pseudo, que je sache qui est l'auteur, parce que c'est pas automatique ça. Donc j'ai mis un roudoudou sur un cas complètement. Et ouais, si tu toi en tant que spectateur t'es frustré, j'ai pas lu ta question par inattention de ma part, et tu tiens vraiment à ce que je réponde à ta question, en dehors du fait que je risque de la voir hors antenne en semaine quand je vais lire mon fameux fichier de chat qui va être sauvegardé. Toi, tu peux m'interpeller dans une liste. Bonjour AJ. Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'explique les nouveautés justement avec SDR qui est arrivé il y a 5 minutes. Donc la foire aux questions. Donc vous regardez bien la syntaxe dans le. Là, j'arrive pas avec mon cadrage de caméra à pointer mon chat. Point d'exclamation FAQ ou point d'exclamation question singulier suivi entre guillemets de votre question. Et eh ben ça va rentrer dans une liste que je peux consulter après, et ça m'évite justement de louper vos questions.
est quasiment certain que je répondrai avec question. Alors si je le vois pas sur le moment, évidemment, je le ferai à un numéro suivant. De préférence, un numéro où vous voyez que vous êtes, je vois que vous êtes en direct. Voilà. Non, malheureusement, ça vous oblige à suivre mes... soit à regarder mes ralentis, archiver, soit à me reposer la question lors d'un autre direct. Et je vais essayer de... d'être le plus confortable possible. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je relis mes notes. Ah! La liste des jeux à faire. Par exemple, Edge. Il y avait Edge qui me disait qu'il avait envie de me soumettre quelques jeux. Alors, j'ai par exemple la commande qui a plusieurs synonymes. Hein, vous retenez la commande que vous préférez. Alors, pareil, là, je dis n'importe quoi. Vous pouvez faire point d'exclamation quel jeu point d'interrogation. Metal Gear, comme vous voyez là dans le chat. Et là, pareil, ça va me rajouter dans une autre liste le jeu que vous aimeriez me voir faire à l'antenne. Oui, il y a aussi jeu à faire, point d'exclamation, proposition, c'est valable. Et ça, c'est pas encore un truc que j'ai programmé. Il y a des écrans que je vais préparer des vidéos. Guillemets, va y avoir un tutoriel vidéo qui va passer en arrière-plan pour expliquer la plupart des commandes. Que comme ça va passer de temps à autre sur ma chaîne, vous allez pouvoir les mémoriser instinctivement et pouvoir en faire usage. Ah. Alors, des préférences de jeu, j'ai envie de te répondre non. Pourquoi ? Parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de jeux que j'ai pas fait. J'ai mes jeux PS2 qui est déjà, je rappelle la commande, la liste est déjà bien longue. Déjà, là, il y a déjà de la matière. Je rajoute mes jeux PC que j'ai sur Steam. Il y en a une centaine que j'aimerais faire sur ma chaîne Twitch. Et il y en a quasiment autant, si c'est plus, en version boîte, en version CD, que j'ai la chance d'avoir. Il y a même des jeux que j'ai acquis qui sont encore sous cellophane, que j'ai pas inauguré, que j'ai pas ouvert. Donc c'est dire, bah oui, c'est pour ça que. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai voulu ouvrir ma chaîne Twitch et me forcer à... Forcer est un grand mot. Et me mettre un coup de pied dans le derrière, à m'obliger à me détendre et à jouer les week-ends pour consommer en fait ce que j'ai la chance d'avoir et de vous le faire partager. Voilà. Donc, la commande là de quel jeu ou point d'exclamation proposition, c'est... comment dire? C'est vraiment vous. Si vous, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez me voir faire, balancez-moi le jeu. Moi, je vais me renseigner en semaine, hors antenne. Je vais prendre l'information et après, je vous répondrai pour dire « Ah ouais, je suis chaud pour faire l'acquisition. » Faire ou pas. Et je vous donnerai ma réponse, mon information. Alors, mais du coup, ma liste de jeux PS2, tu l'as mise dans cette commande ou pas? Non. Ta liste, et je te remercie, ta liste de jeux AJ, les garder pour moi à part sur notre Discord. En mémo pour moi, que je sache ce que tu as. D'ailleurs, je crois que le seul truc qu'on a en commun, c'est donc le fameux Grand Tourisme Planet maintenant. Et je sais plus quel jeu. Mais oui, bah je suis ravi que vous trouviez sympa l'idée. Mais non, je vais pas mélanger tes jeux et les miens, parce que ça va être... Ça va être un bazar pas possible. Allez, Walou. Bon, je fais ma deuxième course en attendant. Mais non, je vais mettre mon clavier là, c'est ça. Voilà, donc si vous avez des observations, n'hésitez pas. Là, je me fais un petit championnat de 5. J'aurais presque pu basculer dans... L'autre plan où on voit ma tronche en gros plan le temps de... Ah! Vous arrivez à chaque fois quand je fais l'ovale, décidément. J'ai fait d'autres courses ce matin pendant une heure et à chaque fois vous retournez sur l'ovale pour faire la course. Ah mais celui-là vous êtes abonné en ce moment. Je vais pas exprès. Là je vais me faire avoir parce que la boîte du Tesco est à 200 km/h. Ah je vais peut-être être perdu dans ce...
émoticône souriant, AgiClub06 dit ceci. Ta présentation, ton overlay, est super. Je me posais la question tout à l'heure s'il y avait la Mitsu 3000 GT. Déjà dans GT4, je viens d'avoir la réponse. Non. Ça, c'est une voiture, enfin, tu me l'achètes. Cool. Plus cool. Pour l'acquisition. Thank you.
tiens, tu rajoutes. C'est bien. N'hésite pas, dès que tu as une idée d'être GM, ajouter à la liste. Je suis un canal de faire de pendant le ralenti, peut-être faire un petit test avec le microphone, il va me dire si la voix ça tue ou pas, s'il y a un grésillement. Donc, avec le Tawas, c'est avec le voice meter, je peux avoir une pression très désagréable. Ça donnerait de la souplesse de parler. Faire le test aussi. Voilà, c'est bien. C'est un peu. Hop, 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 hop. Et parti en grattage. Hein. Presque la décélération et là j'ai pas fait l'accélérateur. Ah, j'ai pas porté l'intérieur du plage, pas fait la sortie. Parler on me traiter dans la tête. J'ai dû me renseigner sur le jeu, entre temps j'ai... Au moins c'est gravé dans le marbre. C'est pas bien. Parce que c'est l'air pardon. Ah je l'ai pas vu. C'est parti, prenez où. Ah je ressors le montant. Voilà. Je ne pas assez. Ah ah ah, bonjour Justin. Ah, tu vas bien ça? Non. Là bah c'est bien. J'ai parti par faire le test de microphone. Ouais, des petites nouveautés, Justin.
l'habillage amélioré avec un effet 3D des cadres. Là, je suis content, j'aime bien. Surtout du nouveau pour moi dans la Twix, dans la gestion de la chaîne. Pour vous, c'est pas transparent, et pour moi, c'est je suis encore plus à l'aise qu'avant. La main est plus forte. Oh non, c'est la Honda MSX qui va gagner. Oui, oui, ça va peinard, mais... Je suis content, très bien. J'ai ma fatigue de la semaine, j'ai un peu mou. Là, c'est ça. Bon, direct, c'est ça. Ah ouais. Vous me détendre dans votre compagnie, ça me fait un bien fou. Voilà, la pratique de la semaine, elle va se voir. Mais sûrement plus près les dimanches, les samedis. Ouais. Ah, alors c'est là où je ferme mon test de microphone. Je vais essayer d'y aller progressivement pour pas vous flinguer les oreilles s'il y a un effet de Marcel ou quoi que ce soit. Je vais faire un test avec le noise meter pour voir si je peux monter le son. Enfin, 1, 2, 1, 2. Si je fais ça, là normalement vous m'entendez mieux. Mais est-ce qu'il y a un effet de désagréable? J'ai augmenté de 7,5 décibels le son. Du micro, hein, je parle. Du micro. Donc ma voix doit être plus claire, plus forte. Mais est-ce que vous soupçonnez un bruit, un grésillement en arrière-plan? Ou est-ce que ça va? Me permet de profiter de votre présence justement pour faire ce genre de test, pour contrôle qualité. Après, si vous ne constatez aucune différence au son, vous me le dire aussi. Hein. Voilà, là j'ai amplifié ma voix de 7,5 décibels. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est à vous de me le dire du coup. Et moi sinon je le verrai tout à l'heure en antenne quand je vais relire ma vidéo de ralenti. Ouais, on entend mieux et c'est sans grésillement. Ok, c'est super. Ok, merci. Alors, là, je suis à 7,5 décibels. Maintenant, je vais monter encore plus haut. On va voir si je peux. J'ai une limite. 12 décibels. Le résultat peut être catastrophique. Voilà, oui, il faut que je parle aussi. Parce que comme un idiot, je suis en train de me dire j'attends votre retour sur le 12 décibels, mais si je parle pas, ça va pas être facile pour vous de mesurer la qualité nouvelle, si je puis dire, de ma voix. Si moi, ça me permet d'être calé au fond de mon siège, de voilà, hyper confortable, et de pas forcer ma voix pour que vous puissiez m'entendre distinctement, c'est l'effet idéal recherché. C'est très très bien à ce point-là. C'est encore mieux. Bah, j'ai envie de vous dire, je vais pousser la barre à fond. Attendez, mince, du coup, je suis en train de cliquer là où il faut pas. Ah, je peux pas aller au-delà. Ah, c'est intéressant. Il y a VoiceMeter qui me bloque. Il me met un plafond à pas dépasser de... Pas d'amplification supérieure à 12 décibels. Donc, je vais rester comme ça, à 12 décibels. Vous m'entendez apparemment distinctement sans qu'il y ait de bruit de parasite. C'est cool. Merci à vous. C'est bien. On avance. Je trouve les réglages optimaux. Émoticône souriant, Agiclub 06 dit ceci. C'est génial. Je pense la même chose. C'est génial. Merci à vous. Ah bah c'est bien. Et j'ai le retour vidéo où je vois si je chature ou pas. Là je suis dans les barres vertes. Là j'ai eu un petit à-coup d'un dixième de seconde où j'étais dans le rouge. Là ça doit un petit peu être désagréable au tympan, surtout ceux qui écoutent au casque, mais c'est bien, c'est très très bien.
Ah, c'est beau, hein, la technologie quand ça marche. Ah là 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 là. Je vais me répéter rapidement pour toi, Jess Pinkman, par rapport à ce que tu as loupé tout à l'heure de mon heure précédente. Au niveau des nouvelles commandes, donc tu as la commande point d'exclamation FAQ ou synonyme, point d'exclamation question au singulier. Tu mets entre guillemets, tu tapes la commande et suivi de ça, bah, je sais pas si je peux faire un copier-coller de ce que j'ai fait tout à l'heure. Tu peux me laisser des questions dans ma foire en question. Si, tiens, là. J'aurais pouvoir faire un copier-coller. En plus, si j'ai des doublons, hein, moi je peux gérer après. Voilà. L'exemple que je donnais, Jess, c'est voilà, l'usage de la nouvelle commande. Moi, ça va enregistrer vos questions dans une liste que je vais consulter hors antenne. C'est un mémo, si vous voulez, en quelque sorte. Donc, vous pouvez déposer vos questions si par malheur, je n'y ai pas répondu en direct et que vous tenez absolument que j'y réponde rapidement. Et en plus, j'ai un nouveau logiciel qui est Chatty, dont j'ai fait la présentation tout à l'heure, qui me permet de sauvegarder dans un fichier l'intégralité du contenu de mon chat quand je diffuse. Ce qui est hyper pratique, un, pour gérer les incidents, mais surtout, plus important en deux, le fait que je loupe pas vos questions. J'ai vu, en regardant mes diffusions précédentes, que j'ai loupé pas mal de vos questions, que ce soit toi, Jess, que ce soit Zest de Citron ou SDR. Pardon, j'ai pas fait exprès, hein, de vous mettre des vents. Mais c'est difficile de suivre le jeu, l'animation de la chaîne et le chat en lui-même. C'est vrai que c'est une sacrée gymnastique quand on est dans le bain, lancé dedans. Voilà, je vais faire la course suivante. Donc, je mets en place de quoi ne pas zapper vos questions. Que vous soyez pas frustrés. Ouais. Bon, la question là, je peux te répondre. Je suis très attaché à la pépinière, moi, dans ma ville, à Nancy. On parle souvent, le plus touristique, c'est la place Stanislas, hein, qui est magnifique, qui est la plus belle place d'Europe et normalement la troisième plus belle place du monde. Mais j'aime beaucoup les parcs, tout ce qui est. Qu'on appelle ça les cadres verts, là, les zones vertes. Enfin bref, là où il y a un peu de nature parmi le béton. Et parmi les nombreux parcs de la ville de Nancy, j'aime beaucoup la pépinière. J'y suis attaché tout bêtement d'ailleurs parce que pendant plus de 10 ans, ça a été le parc que je traversais entre mon domicile et mon boulot. Donc de le voir quasiment tous les jours, je me suis attaché quoi. Et c'est super agréable. C'est super agréable. Alors, je vais essayer de piloter à peu près proprement, c'est pas tout de répondre à vos questions, mais. Donc je spécifie, hein, donc la commande, c'est bien de l'avoir testé point fac, point FAQ, mais c'est surtout si vous constatez que j'ai pas répondu en direct à une de vos questions, je me suis loupé. Et ça permet d'immortaliser votre question. Ce qui fait que je le lirai et un direct suivant, je prendrai le temps d'y répondre. J'essaierai de m'arranger pour y répondre quand vous êtes là, évidemment. C'est pourquoi il faut ne pas oublier dans la question d'y rajouter votre pseudo, votre identifiant. Parce que le système ne le fait pas automatiquement. J'essaie de voir si je pouvais programmer ça, mais c'est pas possible. Donc, surtout n'oubliez pas de rajouter votre pseudo, votre identifiant dans la question. Histoire que je réponde pas à votre question, entre guillemets, dans le vide quand vous n'êtes pas là. Ou alors, ce que je pourrais faire, c'est-à-dire que quand j'ai cumulé 10, 15, 20 questions, je pourrais les reprendre une à une et faire une petite vidéo que je déposerai sur mon YouTube. La foire aux questions de, je sais pas, tel trimestre de telle année, par exemple. Ça dépend de la périodicité. Comme ça, j'immortaliserai aussi la réponse à votre question. Et libre à tout à chacun voilà, de me soumettre des questions si ça vous fait plaisir. Moi, j'aurais joie à vous répondre. Ah, je vais me faire avoir par le. Ma voiture est mal calibrée, mal réglée par rapport à la course et je vais me faire avoir par tous les autres.
en plus de mal piloter. Alors là, je vois que tu m'as écrit, Jess, mais je te lirai pas tant que j'aurai pas fini la course, pardon. Mais je prendrai le temps de remonter paisiblement le chat pour pendant le ralenti pour voir ce que j'ai loupé. Oh, oh là 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 là, le pilotage aux fraises. Et c'est vrai que c'est traître au niveau contraste de faire une course de nuit et de jouer dans une pièce éclairée de jour, bah, pas facile pour le cerveau, là au niveau des yeux ça me fusille un peu. J'ai du mal à lire le détail de la course. J'ai vraiment bien décrypté ce que j'ai à l'écran. Hop 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 hop. Je vois que ça rédige sur le chat, ça rédige. Ah, je prendrai le temps de vous lire dans 5 minutes, je pense que la course est finie là. J'arrive bientôt à la fin de l'avant-dernier tour. Oh, n'importe quoi, mais je pilote comme si je faisais du stock car. Je me sers du décor pour tourner, c'est une honte. Je repense à un épisode précédent de mes directs où je voulais essayer la commande clip, en exclamation clip, et c'est normal qu'elle ait pas marché. Je vous cache pas que je me suis traité joyeusement d'imbécile hors antenne quand j'ai pris conscience de ma sottise. Forcément, elle était programmée pour fonctionner sur mon canal principal. Or, actuellement, dans ma phase de test, j'émets depuis le secondaire, donc ça peut pas marcher. J'étais surpris en direct de me dire mince, ça marche pas, mais si, en fait, je suis confiant pour son fonctionnement. C'est juste qu'elle fonctionnera, on va dire, à partir de l'année prochaine quand je diffuserai officiellement sur mon canal principal. Mais c'est bien hein, par rapport au calendrier, là on est encore première quinzaine de septembre. Et par rapport à mon cahier des charges, j'ai bien avancé. Donc ça me permet d'être relax, détendu et de me dire je vais pouvoir peaufiner 2-3 trucs, peut-être en bonus. Si j'ai le temps de farfouiller sur internet, de trouver des outils supplémentaires, etc. Pour vraiment être au top du top au 1er janvier, et que j'ai quasiment plus rien à programmer. Bon, il y aura des petits trucs qui apparaîtront, je pense, mois après mois. Des petites nouveautés, mais ça me demandera pas, on va dire, 8 heures de boulot dans la semaine. Juste une demi-heure, une heure de temps à investir parce que j'aurais mâché le plus gros du boulot avant quoi. Durant ma dite phase bêta là. Je suis content, franchement je suis content. Je vais pouvoir vous délivrer un produit fini, un truc correct. J'essaye d'être un peu pro quand même, même si ça reste un loisir, un plaisir. Hein. Mais je vais vraiment vous fournir de la qualité. Aïe 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 aïe. Ce pilotage de sagouin. Je suis même agréablement surpris de ne pas être bon dernier. D'être sixième. Enfin je dis ça, ça va peut-être m'arriver là. Sur les derniers mètres de course. Ah, t'as essayé apparemment de me faire la commande vocale, il a pas voulu. Mais j'ai vu que de temps en temps, Wisebot il est en PLS. Même des commandes qui demandent moins de ressources, comme des commandes textuelles comme la pêche. Parfois il me met un vent, je sais pas pourquoi. Tout à l'heure il m'a fait un drôle de truc. Il a répondu à ma commande pêche en générant une chaîne vide, alors que j'ai pas de chaîne vide dans mon jeu, j'ai vérifié. Et voilà, il m'a dit que je pouvais pas jouer avant une minute, ça c'est normal. C'est moi qui l'ai programmé, mais parfois Westboot il fait des trucs, il bug. Mais bon, c'est pas trop souvent, ça va. Ça y est, c'est là où je vais pouvoir vous lire. Qu'est-ce que vous m'avez écrit? Ah oui, j'ai reçu une notification de Wisebot comme quoi la question a bien été enregistrée. Oui, c'est une garantie pour vous rassurer, vous dire que c'est un accusé de réception en fait. Ah, petit fail, pardon. Oui. Oui, non, mais tu peux rien, c'est pas grave, t'en fais pas. Ah, dommage, t'as perdu à la pêche. Bien, je vais tenter ma chance à mon tour. J'ai ma commande préprogrammée pour.
Bah moi aussi, tu vois, je viens de me faire avoir. Pas de bol. C'est 50-50 la pêche. Je le rappelle. Ah. Je me détends, je me relaxe, ça fait du bien. Donc en gros là pour la session de maintenant, je reste encore une grosse heure en direct. Je vais finir tranquillou là mon petit championnat Japon. Je pense que j'aurai fini vers midi. Et je vais enchaîner sur ma partie de Fallout Shelter. Il y a un jeu qui est gratos, qui est sur tablette à la base, mais moi je suis la version PC. Voilà, tranquillou quoi. Oui, exact. Jess a vu juste, Jess. Pour pas saturer mon chat des différents jeux, j'ai voulu espacer d'une minute la commande pour chacun. Et puis là, pardon, comme je me suis amusé à jouer, ça vous condamne à attendre 11h47 avant de retenter votre chance. Là, je pense que si tu le retentes maintenant, Jess, ça devrait passer. Dis bien, je pense. Ah, je suis en train de songer à un truc que je peux vous faire tester pendant que vous êtes là. Normalement, c'est ça. J'ai testé moi de mon côté, ça marchait. Donc je pense que pour vous, ça marchera aussi. Ouais, c'est une petite récompense. De temps en temps, je donnerai un petit bonus de monnaie de chaîne à ma guise. Ça fait partie des nouveautés récentes de Wisebot. C'est sympa. Je trouve que ça permet de captiver l'attention de son public pour s'accaparer la monnaie en bonus. Ouais, c'est bien, ouais. Vous avez eu la notification privée comme quoi vous avez été crédité de plus de 600 bergas. Ouais, c'est bien, c'est que ça marche. Et bah au bout de 15 minutes, il va dire, parce que moi j'ai programmé 15 minutes, je trouvais que c'était un intervalle correct, où je laissais peinard le temps de réagir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il va faire un message de fin de session de temps bonus, et il va dire le nombre de spectateurs qui ont réagi et qui ont reçu... Ils se sont vus créditer leur compte de 600 bergas supplémentaires. C'est absolument génial, je trouve ça génial. Ah, c'est bien foutu, hein. Franchement, Wisebot, j'apprécie. Je découvre encore des trucs de temps à autre. Et le pire, c'est se dire que Wisebot est ouvert, dans le sens qu'il laisse la possibilité à ceux qui sont ingénieurs et à l'aise avec la programmation, ce qui n'est pas spécialement mon cas, je suis très moyen. Je devrais même avouer que je suis mauvais en programmation. J'aime bien tenter ma chance, essayer de diluer des trucs. Il est ouvert, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de programmer vos propres outils, vos propres commandes, mais de manière vraiment perfectionnée, très poussée, à partir de Wisebot. Et peut-être que je le ferai. Si j'ai le temps et les facultés intellectuelles de ne pas être trop mauvais de maîtriser l'outil, je pourrais concevoir plus tard des trucs... Après, je sais pas si je pourrais proposer mes travaux libres de droit, enfin pour Wisebot, pour ceux qui vont télécharger. J'ai pas encore regardé à ce niveau-là, mais je pense que ça doit être possible. Il doit y avoir quelque chose avec la communauté Wisebot, parce que c'est vachement pratique, c'est bien pensé. On verra, ça après c'est du bonus détail, quoi. Mais c'est bien, franchement, de laisser la possibilité par Wisebot de créer ses propres outils. Respect. Ouais, à plus, Jess. À plus. Là, je pense que je reste encore une grosse heure en direct jusqu'à 13h. Je me vois pas diffuser l'après-midi parce qu'il faut que je bosse un peu pour Fun Fan. Hein. Ce soir, normalement, on reprend à 21h les samedis commentés avec Deus Ex. Mais demain matin, je me vois rediffuser, retester 2-3 bricoles. Voilà, en gros, pour le programme. Donc, à plus, Jess. Merci d'être passé. Ah là là. Oui, tiens, je vais changer un peu de mon café au lait. Là, je vais carburer à la flotte.
route là. Eh ben, ouais, je peux changer la vue normalement dans le ralenti. On peut pas voir la caméra poursuite. Comment on fait? Je sais plus. Y a pas une touche pour changer la... Ah, je peux changer le concurrent. Je peux éviter de me regarder moi, mais j'arrive pas à retrouver la touche pour le... Ah, c'est ça. Attends, ça c'est la vue intérieure. Y a pas la vue extérieure en poursuite? Ah, y a que deux vues dans le ralenti. Bon, bah autant mettre la vue télé extérieure. Ça change moi de mon direct quand j'étais en train de piloter. Ah, je crois qu'il y avait plusieurs vues. Je crois que c'est dans le 4, dans le suivant, que c'est beaucoup plus développé, qu'il y a plus de choix. Enfin, le 4, on y gérera plus tard. Moi, à mon avis, l'année prochaine, je suis encore sur le 3. Histoire de faire durer le plaisir. Oh, en parlant de belles voitures, j'étais surpris hier dans mes déplacements. Sur Nancy, j'ai vu en vrai une... pour parler des sportives japonaises, j'ai vu en vrai une Nissan Skyline, mais transformée par le préparateur de course japonais Nismo. Donc c'était une Nissan Nismo en blanc, belle bagnole. J'étais agréablement surpris de voir ce modèle sur Nancy. Bon, elle n'était pas dans mon secteur, j'étais à l'autre bout de la ville par rapport à là où j'habite. Mais ça fait plaisir à voir. D'ailleurs, c'est tout bête, mais ce serait amusant que je gagne, que je puisse faire l'acquisition de la dite voiture que j'ai vue en vrai hier dans le jeu. Normalement, je devrais. Elle doit y être dans le modèle que j'ai vu dans le GT3. On verra ça à l'occasion. Ah là 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 là. Gnaf, gnaf, gnaf. Moi, je retente la pêche, moi. Oh, j'ai encore perdu. Oh, j'ai la poisse à la pêche aujourd'hui. Il y a des jours avec et des jours sans. Ouais, on a fait le tour des nouveautés de cette semaine, c'est bien. Pareil au niveau de la musique, j'ai... Enfin, c'est surtout l'oreille. Je désignais comme s'il y avait 8 amps, mais je suis pas sur le pont, il y a 8 amps. Le lecteur multimédia. J'ai rajouté des musiques de moi, histoire de varier encore plus ce que vous entendez en arrière-plan. C'est sympa, ça doit me faire une centaine de titres. Hein. Entre les œuvres que j'ai publiées issues de mes albums et on va dire les musiques correctes qui sont diffusables, j'en aurai carrément à la centaine de titres déjà. Bon, alors la suite. Ah bah je vais faire la dernière course, il y a 5 courses dans le championnat. Donc ouais, c'est bien par rapport à l'horaire que j'avais calculé, on sera à 1 heure de Fallout Shelter juste après. Et puis je rendrai l'antenne vers 13h. Ah, je vais encore me faire avoir avec la boîte courte parce que c'est vrai que c'est une grande ligne droite, une quasi ligne droite sur le circuit de Tokyo. Je vais être perdant. Je vais me faire avoir là-dessus. À mon avis, j'aurais remporté ce championnat haut la main si j'avais conservé la boîte de vitesse d'origine. Je referai peut-être le test demain, on verra. Je me le ferai hors antenne pour plaisir, je sais pas. Waouh! Il est violent l'autre! Comment qu'il m'a tamponné? Là pour le coup, ça m'a fait un effet stock car. Non, j'arrive trop vite. Aïe 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 aïe.
J'ai décroché par rapport à ma trajectoire qui était idéale. Oh là là, c'est une catastrophe. Vous me faire peur. Oh non, je me vois pas modifier ma voix. Sauf si ça vous amuse. Enfin, tu peux toujours proposer, Jay. Donc tu déposes sur notre le serveur Discord que tu as eu la gentillesse de me créer pour que je m'exerce. Tu mets la référence. Mais attention, j'ai eu vent d'un modificateur de voix en direct qui fout la merde au niveau de la sono quand tu es en direct sur Twitch. Je sais plus si c'est un voice modifier ou voice machin que ça s'appelle. Et en fait, il faut pas l'utiliser sur Twitch, ça flingue la configuration sonore. C'est un logiciel qui a été mal programmé. Et il faut s'en méfier. Mais dépose toujours. Par défaut, je suis toujours preneur, j'ai plus de voix. Je suis toujours preneur de vos suggestions. Quoi qu'il arrive, je prendrai le temps d'y répondre en vous argumentant ma pensée, mes résultats, en me demandant pourquoi ça va pas, pourquoi j'en veux pas, si c'est le cas. Je vais finir par vous chanter du Patrick Bruel, casser la voix, parce que là c'est mon cas. J'ai la gorge qui est plus hydratée comme il faut. Alors là carrément je vais finir mon dernier parce que je fais un pilotage pas propre. Bien fait pour le mouet. Je sais plus quel est le modèle qui est devant, je crois que c'est la berline allemande. Je crois que c'est une Audi S4 qui est en tête. Elle se promène. Elle s'est complètement détachée du peloton. Hop. Oui, un truc tout bête aussi que je me suis programmé cette semaine, juste à titre d'information. C'est que je me suis programmé comme j'ai accidentellement installé aussi Wisebot, mais en version gratos, c'est-à-dire que j'ai très peu de trucs dessus, sur ma chaîne secondaire, là, donc le robot. J'ai programmé un message automatique tous les quarts d'heure, qui spécifie qu'il faut rebasculer sur mon chat de la chaîne principale, pour pas chouer bêtement. Ça évite à Funfall, comme il a eu la gentillesse de faire la dernière fois, de rediriger SDR, qui était paumé pour sa première venue. Par rapport de ma... Mince, j'ai complètement oublié que le virage arrivait si vite. Oh là là, c'est horrible. C'est en train de se passer à l'écran. La course est épouvantable de ma part. Bref, c'est automatisé aux petits oignons et c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, je laisserai le message par défaut, on ne sait jamais si plus tard il y en a d'autres qui se plantent et qui arrivent sur ma chaîne secondaire. Ils ont le message comme quoi il faut pas rester là et ils sont invités à rejoindre la chaîne principale en cliquant sur le lien, le bon lien. Voilà, voilà. Hop. C'est un de mes titres favoris, si ce n'est le titre favori de mes compositions. Et ça tombe bien, ça pousse pour un jeu de course. Parfaitement compatible. Là, je suis dans ma bulle, hein, dans mon univers. Musique électronique, informatique, le Japon, la course automobile. Je suis à fond dans mon monde. Je peux pas être mieux. Bon, bah j'ai fini avant-dernier sur celle-là. Ah non, c'est la Honda NSX.
Non, je confonds, quand je parlais de la berline allemande, je confondais avec ma course précédente. Non, c'est vrai que c'est la Honda NSX qui mène. Oh là 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 là. Oh pardon, je vais redresser un peu, mais j'ai repris les jambes. Je serais mieux. Voilà le temps du ralenti, et puis après on basculera sur le Fallout Shelter. Baba cool. Pic. Ah, j'ai gagné. J'ai pêché une épinochette à queue lisse. Ah, y'a des noms. Y'a des noms de poissons, c'est flippant. Là d'ailleurs je vais anticiper le temps de mon ralenti en arrière-plan, j'ai déjà lancé mon jeu histoire de gagner du temps et que pour vous la transition soit rapide et transparente. Voilà, j'ai mon message de la fin du cadeau. Voilà, deux cyberspectateurs ont récupéré un total de 1200 berga. Ça marche, c'est génial, ça fonctionne exactement comme je le souhaitais, c'est cool. C'est cool, waoul. Alors, il est où mon Fallout Shelter? Excusez-moi, je me gratouille le nez. Ça me démange. Alors. Ouais, c'est bien. Comme ça, je vais reprendre juste ma partie après, tranquille. La bonne musique qui pulse. Oh, je vais pouvoir ranger ma feuille de... Ah oui, on voit mes feuilles de bouleau France Japon. Là d'ailleurs, je peux peut-être faire un test vidéo hein, de ma webcam. C'est le zoom sur un... Voilà, on voit par transparence. Ça fait trop bizarre. Non, ça fait moche, j'arrête. C'est ridicule. Ah, voice mode, je suis en train de regarder ce que tu m'as mis en dans la coulisse. Eh ben je me demande si c'est pas celui-là justement qui pose problème. Ça fait sauter le la confection. Donc tu vois, je serais tenté plutôt d'éviter. Je préfère, tu sais, enregistrer ma voix de manière séparée et préparer des commandes toutes faites. Ma voix que je bidouille dans Audacity, hein, comme tout autre logiciel d'édition audio. Je préfère procéder comme ça, Edge.
Après, je dis pas non hein, sur le principe, hein, je suis en train de réfléchir à ta proposition. Je vais me renseigner, voilà. Je vais te répondre ça, c'est-à-dire je vais me renseigner, je vais voir ce qu'il en est. Éventuellement, effectivement, vous proposer, vous m'amuser à modifier ma voix en direct, ne serait-ce qu'une minute, en fonction d'un certain nombre de points, oui, pourquoi pas. Oui, c'est rigolo. Mais ouais, merci, c'est toujours de la matière à travailler, j'apprécie. Merci, merci. Oh là là, ce pilotage. J'ai honte. Tiens, je vais me faire un ou. Alors que oui, je suis pourvu de me faire la tablette. Mais... pas l'air de marcher ou alors j'ai fait avec le H devant, je ne sais plus. Je sais plus. Ou alors non, c'était point d'exclamation nul. Ah bah non, c'est un son, c'est pas fixé par un plus. J'applique même pas mes propres règles. On s'amuse comme on peut. Hein. On le dit, ouais. Ah! Une corégone du lac de Zoug. Ça s'invente pas. Un nom pareil. Et je le rappelle, c'est donc un poisson d'eau douce de France. Qui a peut-être disparu. Hein. J'ai pris l'intégrale des poissons de rivière en France et de lac dans Wikipédia. Pour ne pas le nommer. Alors, je finis combien dans le championnat? Oh, je dois être troisième, peut-être. Ok. Je pensais que j'allais avoir un résultat final, mais non. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Hop, je vais aller dans le garage. Je rejouerai un petit peu en off, moi, cet après-midi, pour me détendre. Et puis... Oh, je suis même pas à 20% du jeu. C'est bien. Ça laisse inaugurer de longues heures encore de longues heures de pilotage. On va basculer sur le jeu. D'ailleurs, faut que je change le titre. Capture de fenêtre, normalement. Ah, sauf que c'est pas la bonne fenêtre. Alors non, je vais faire capture de... Je vais faire capture d'écran. Ouh là là, c'est psychédélique. Je vais changer le... Mais non, qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Faut que je change le titre. Du jeu. Alors c'est rigolo, vous voyez un peu ma cuisine que je suis en train de faire. Là, ça va être du Fallout Shelter. Hop là, voilà. Donc je pouc. Mince. Alors, ouais, j'arrive pas à décaler ma fenêtre. Voilà. Ouais, c'est bien. Vous voyez bien, pardon. C'est cool. Faudrait que j'essaie de rajouter des trucs en arrière-plan là par rapport à ce qu'il y a en bas dans le... Encore en vide là, on voit le fond en gris. Oula, dans quel état j'ai laissé mon abri?
Ah, vous voyez mes notifs Discord. C'est un peu indélicat de ma part. Je pense jamais à les faire sauter les notifs Discord. Je devrais. Donc je bascule en... Il y en a pour 30 secondes. En ne pas déranger. Hop là. Voilà. On n'a rien vu. Alors, vendre objet commun. Et récolter le reste. Hop, les autres, la deuxième équipe. Wow, cool. Une armure, une recette pour faire une armure. Oh, excellent. Ça fait plaisir. Alors la bouffe, ça va pas. J'augmente la production de bouffe. Merde, échec. Ah! Ah! En fait, je vais pas y jouer longtemps à Fallout Shelter, je vais faire un autre jeu parce que comme mes équipes sont rentrées et que j'ai fait la récolte, bah il y aura pas d'action. Il va falloir que je leur choisisse des missions là qui partent. Et ce sera une autre fois où je ferai un direct plus long sur Fallout Shelter. Oh, j'ai l'impression que t'as été censuré par l'automode. J'ai eu un message bizarre de modération. Alors je vais te lire, Edge. Ah, c'est l'électricité qui fait défaut là. Ouais, j'ai pas assez de jus. Nice. Alors, ah, en fait, faut faire beaucoup de salles de ressources pour ne pas être en pénurie. Oui, bah oui, c'est un juste équilibre à gérer. C'est un juste équilibre à gérer. Oui, je sais pas pourquoi. Bah écoute, là, de mon retour d'administrateur, enfin de diffuseur, il me donne pas la raison de pourquoi il t'a censuré. C'est un mystère. Mais je sais plus quel mot avait été censuré sur ma chaîne avec Cadeau Anthony, je crois qu'il était intervenu. C'est un mot courant, quoi, ça m'avait pas choqué. Et c'était apparemment dans la liste des mots interdits. Donc parfois il y a des bizarreries. Ah toi t'es en pénurie. Alors il faut aussi jouer sur les tenues, hein. Faut pas négliger les tenues des Gugus, regarde. Si joue, enfin tu dois savoir je pense. Quand tu regardes la tenue de quelqu'un, bon là je prends une jolie demoiselle comme par hasard. t'as des attributs. Voilà, j'ai la perspicacité et l'agilité qui jouent. Et en fonction de la salle que t'as choisie, là c'est l'agilité qui compte en bonus pour être productif. Donc il faut que je prenne une tenue, voilà, c'est pour ça qu'elle a une tenue A plus 2. Elle a plus 2 en agilité. On le voit dans la barre sur le côté gauche. C'est important pour la productivité de la salle. Ça fait partie de la stratégie du jeu, en fait, dans la gestion. Alors, attends, je regarde mes ateliers. Mes ateliers, ils me fabriquent une arme, c'est bien. Ouais, j'ai un artisan qui est dedans. Et les tenues aussi, ça doit bosser. Ouais, bah, je suis tranquille pour la semaine. 5 et 6 jours, temps réel. Donc, je ferai la récolte dimanche prochain. Enfin, samedi prochain. Bon, bah, je vais envoyer les loustics en mission, les deux équipes. Et puis, bah, finalement, je vais improviser un autre jeu. Jusqu'à 13h, je vais peut-être m'amuser sur Tomb Raider, par exemple, j'aime bien. Histoire de m'offrir un délire. À moins que tu aies envie que je joue à autre chose, hein, Edge. N'hésite pas de profiter de l'occasion pour... s'il y a un truc qui te fait plaisir à te manifester. Il faut que je soigne les autres. Alors je vais envoyer ceux-là. Merde! Non, pardon. Je me laisse déconcentrer, je clique là où il faut pas. J'ai failli balancer pour 12 bouteilles d'isaï tout de suite, mais c'est pas grave, je
je vais pas m'amuser à gaspiller les bouteilles pour le moment, même si j'en ai 15 000. Voilà, faut que je leur donne de la santé aux intéressés. Voilà. Ça c'est cool. Donc je vais pouvoir programmer la deuxième mission extérieure. Je vois que tu m'écris un message. Je connais pas ta liste de jeux Steam. Je l'ai pas. J'ai commencé à la mettre en texte, en commande. Mais oui. Je peux te faire une rapide présentation après. Faudrait que je continue. J'ai commencé, mais j'ai pas fini ça. J'ai pas fini la saisie. Alors pardon, je réfléchis à quelle mission je peux. Je sais pas si j'ai du monde. Non, j'ai personne. J'ai aucun membre de l'abri qui soit compatible avec ça. Ouais, bah ils vont faire la mission lambda en. Là, je peux même envoyer quelqu'un en mission extérieure. Non, je fais des bêtises. Concentration. Oui, Rosemore est là. Je vais m'amuser. C'est quoi son chien? Ric-à-brac des terres désolées, ça tombe très bien. Et je vais l'envoyer en solo en extérieur. Comme ça, elle va me faire des missions bonus. Ah merde, j'ai plus de. Ah non, je vais attendre. Non, je vais pas expulser. Oula, je fais n'importe quoi. Je clique pas là où il faut. Non, j'ai plus de. De. Contre les radiations. Ou alors je provoque en accéléré la création de ceci. Normalement, je devrais pouvoir. Ouais, ça passe. Je vais encore en faire un autre avec. Bah, voilà. Comme ça, j'en aurai 9 pour l'intéresser, ce sera bien. En espérant que j'ai pas un échec. Très bien, ça passe. Donc là, j'ai du bol. Je reclique sur Rosemore. Et je vais l'envoyer dans les terres désolées. Hop là. Voilà, nickel. Allez, go. Comme ça, je vais faire un max de récolte quand je rejouerai le week-end prochain. Ce sera top. Je vais attendre un peu que les personnages soient sortis avant d'arrêter la partie. Alors, j'adorerais t'aider sur Wisebot, par exemple, pour la saisie, mais je crois que c'est pas possible. T'inquiète pas, je le gère de manière indépendante. T'inquiète pas, AJ. Ne préoccupe pas de ça, c'est gentil à toi de proposer, mais... Je me sens à l'aise dans Wisebot et je prends ma popote, si je puis dire, ma cuisine dans mon coin, tranquillou, en bonus. Ah, attaque de ghoul. Bah tiens, ça va nous occuper un peu le temps que tout le monde sorte faire leur mission extérieure. Ça va donner un peu d'action. Ah non, j'ai plus de mince. Ouah, j'ai eu chaud. Heureusement qu'ils sont armés jusqu'aux dents. C'est vrai que j'ai plus de steam. De, pas de steam pack, là, d'anti-radiation. Ouah, c'est pour ça que le jeu m'a envoyé en punition le. Les zombies, là. C'est histoire de me piquer au vif. Oups. Alors. Je vais essayer de provoquer le. Ouais. Attention, la probabilité que ça crache au moins. Oh, c'est passé. Nickel. Ce qui veut dire que je peux recliquer sur les gugus de l'entrée et les désinfecter. Voilà. Tac. Nickel. Voilà.
Ça, j'ai eu du bol et c'est bien joué. Donc normalement, tout le monde est parti. Ouais, j'ai les trois équipes, on le voit. Eux, ils sont partis, et lui, s'est barré. Nickel. Bah, je vais arrêter là. Mission accomplie pour aujourd'hui. Cool. Alors, attends, voir. On va... Ah bah, tu vas manger. Oui, bah, c'est pas grave. Moi, à mon avis, je vais couper... je sais pas si je vais couper maintenant ou pas. Je sais pas. Je vais improviser. Donc, bon app à toi. Merci d'être passé, Jay. Et puis, alors cet après-midi, je me vois pas prendre l'antenne, donc normalement, on se retrouve ce soir chez FunFan, à partir de 21h pour les samedis commentés, et Deus Ex, en espérant qu'il soit pas KO par sa vaccination de ce matin. Voilà. Donc on verra, FunFan nous tiendra au courant. Au pire, moi, je vous retrouve demain matin, en ce qui me concerne, moi. Voilà. À plus, c'est Jay. Merci, bon app. D'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas ce que je vais me mettre sous la dent ce midi. J'ai eu le plaisir de faire mes courses hier. Donc j'ai la chance d'avoir le frigo rempli. Bonne question. Qu'est-ce que je vais diffuser maintenant? Ou est-ce que je retourne sous Gran Turismo? Moi je m'écoute. Me fait plaisir, me continue mon Gran Turismo. Alors, hop, je vais rebasculer en... Si j'y arrive. Voilà. Tac, tac. Non, c'est pas ça, c'est ça. Oh, bah j'ai fait sauter mon titre. Ah, je l'ai fait n'importe quoi. Je l'ai dégommé. Je l'ai dégommé, j'aurais pas dû. Alors, hop, Gran Turismo 3. Rétro, c'est de la PS2. Hop là. Quick. Ah, je regarde rapidement 2-3 bricoles pour voir si tout se passe bien. Tout se passe bien, ouais, c'est tranquille. Oui, ouais, bah, je vais faire peinard dans mon coin, mon petit Grand Turismo comme j'aime bien. Jusqu'à 13h, voilà. Relax. Hop, mon jeu de la pêche. Une vindoise au long museau. J'ai gagné. Oh, je suis pas loin d'avoir cumulé 1 million de crédits, symboliquement parlant. Ah, ça serait peut-être bon de sauvegarder. C'est vrai que j'ai pas sauvegardé ma progression. J'aurais été capable d'éteindre la console en oubliant de sauvegarder ma progression. Ça aurait été ballot. Ça aurait été ballot. Si je changeais de tuture, oui, non. La Camaro, je sais plus. Ah, c'est une voiture que j'ai gagnée d'origine. Ouais, pourquoi pas. Allez, je vais faire mumuse avec la Camaro. Hop, pris au pif. Y a pas un truc championnat américain que j'ai pas fait en débutant? Ah si, je l'ai gagné. Attends, c'est une turbo ma Camaro ou pas? Non. Donc je peux pas prétendre participer à ça. Sinon, ouais, pour le délire. Tiens, ouais. Non. Je culpabilise comme je l'ai fait trop souvent. Ouais, bah je vais faire la course là, allez hop. Si je vous fais à chaque fois les mêmes courses, ça doit être barbant. Du coup, je m'interdis de reprendre la course là. Par contre, il serait intéressant que je me la fasse en endurance encore les 5 tours dans mon coin hors antenne. Pour me vider la tête pour faire ça en semaine. Oh là là. Oh, pas mal l'arrière. Elle présente bien la Camaro.
Ah, la Dodge Viper qu'il faudra que j'achète d'ailleurs. Je le ferai pas maintenant non plus, mais ça viendra. En version classique, et j'aimerais bien avoir la version 24 heures du Mans préparée par l'équipe française Oreca. Elle est légendaire, cette tuture. Elle est légendaire. Ouais, bonne question. Qu'est-ce que je vais mettre sous la dent ce midi? J'hésite. Faut que je regarde mes dates de péremption. Oh, j'ai bien pris le virage. C'était propre, c'était bien. Une démangeaison au cou. Oula, oula, trajectoire, mon dieu. Faut pas que je lâche la manette. Hop là! Yeah! Là, je suis en train de bien la piloter, la Camaro. Elle se pilote agréablement bien. En modèle de série, elle est équilibrée, elle est vraiment agréable. Je vais la garder telle qu'elle, hein. Je vais pas chercher à la modifier. En plus, là, je pourrais même prétendre remporter la course. Alors que je m'y attendais pas spécialement. Je suis vraiment surpris de battre la Dodge Viper. Parce qu'à faire le pari entre la Chevrolet Camaro et la Dodge Viper, moi c'est la Dodge Viper que je donne gagnante. Du moins sur le papier. Comme quoi. Alors je pense que c'est l'intelligence artificielle qui est vraiment gentille et qui est en mode facile. Comme c'est le championnat amateur, l'un des premiers championnats. Il y a beaucoup de fautes qui sont tolérées en pilotage. Mince. Je regarde une notification qui est apparue et du coup ça a cassé mon attention dans le pilotage. Voilà. Ah, j'aime bien cette air de piano. Dans son aspiration, j'ai peut-être essayé de l'avoir au freinage. Ouais, c'est dangereux. Dangereux, mais ça passe. Ouais, mais il me rattrape, ouais. Je suis trop en dérapage, en fait. C'est beau. Ça, c'est classe en sport automobile, ce genre de duel. Hop là. Hop là, boum. Demain que je lui ai fait la leçon, dis donc. C'est ça qui est beau. Oh, je vais remporter la course. Cool. Oh, la classe. Je suis content. Je vais me faire mon propre GG. Oh, presque 2 secondes. Bah, j'aurais pas cru. Ah bah. Alors que je joue avec le modèle d'origine, il y a un autre concurrent qui est comme moi et qui est bien derrière. Bon. Bah là, pour le coup, j'aurais vachement bien piloté. Tout à mon honneur. Et je le rappelle, je suis à la manette. Hein. La manette d'origine. Ah bah mince, j'ai tiré le cap, ça y est, ça recommence. Oh là 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 là. Encore une bêtise de ma part. Voilà, ça revient, on y croit, ralenti. Adieu.
Ouais, c'est beau. Je me détends les jambes. Oula, ça c'est quand j'ai regardé ma notification. Je pense que j'ai bien passé la dernière chicane, ouais, je l'ai passé proprement. C'est là où effectivement, comme j'ai gardé une certaine inertie et vitesse, bah, du coup j'ai réussi à griller largement la Dodge Viper. Donc j'ai réussi un passage de dernière chicane au top. Tip top. Ouais, c'est bien. C'est cool. Ouais, elle présente bien. Hein. Elle me fait presque penser à K2000. Et K2000, première version, c'était une Pontiac. Mince, j'ai oublié le nom du modèle. C'était une Pontiac. Et j'ai oublié le nom du modèle, tant pis. Alors que là, c'est une Chevrolet Camaro, je le rappelle. Question, je pense à la... à la Mitsubishi 3000 GT dont je parlais tout à l'heure. Je serais curieux de savoir s'il y a plusieurs versions et à quel prix. La 3000 GT, elle est où? Ah, elle est peut-être pas en vente. Ah si, elle est en vente. Ouais, ouais, c'est une voiture qui est pas gratos. Hein. C'est une berline japonaise de luxe. Attends, quelle différence entre celle-ci et celle-là? J'ai l'impression qu'ils ont fait un doublon là. Bref, en plus au même tarif. Bon, là j'ai différentes couleurs et l'autre ah. Ah, c'est peut-être le spoiler arrière qui est différent. Je m'amuse à regarder. Ah oui, c'est ça, c'est surtout le spoiler arrière qui change. Là elle a le très fin et là elle a un spoiler arrière qui est remonté. D'accord. Ouf. Je pense que je vais garder la petite version discrète. Mais je sais plus, c'est une 4 roues motrices hein, normalement. Ouais, c'est ça. C'est un turbo 4 roues motrices. Je sais pas si je vais chercher à l'optimiser. Peut-être la garder telle qu'elle. Que je me l'achète maintenant ou pas? Oh. Non, je vais peut-être attendre. Je vais peut-être attendre et garder mes crédits si je veux me débloquer d'une situation, remporter d'autres championnats, d'autres trucs. Ça, ça urge pas, on verra plus tard. Mince! Je suis en train de tout quitter. Bah, la Camaro, je vais la garder pour essayer de faire une autre course.
Ouais, après là c'est des championnats. Bah non, je vais pas me lancer là-dedans alors que je vais bientôt rendre l'antenne. En ligue amateur, il y aurait peut-être un truc intéressant. Ah, il y a 5 courses, mais non, là, je vais faire une petite course. Ben, je sais même plus, c'est une quoi, ma Camaro? C'est une... Ouais, c'est ça, c'est une traction avant. Eh ben, je vais essayer la Laguna Seca, allez hop, je l'ai pas fait. On va voir ce que ça donne en championnat intermédiaire. Je veux tenter la pêche, je veux tenter la pêche. Une alose feinte méditerranéenne. Oh. 5 tours. Ah oui, bon, bon. Ah, puis j'ai des pneus classiques. Oh. Je vais avoir un problème d'aérodynamisme à mi-course. J'ai pas investi dans les pneus de la mort qui tue, là. Les pneus endurance. Très dur. Ouais, je fais cette petite course-là, pépère, et puis je rends l'antenne pour aujourd'hui. Je vais essayer de programmer 2-3 trucs supplémentaires cet après-midi. Sachant que ce soir, je fais le direct avec une fan, normalement. Et je vous parlerai sûrement des 2-3 petites nouveautés que j'ai programmées cet après-midi, bah, dès que je reprendrai mon direct demain matin. Je retiens ce que m'a dit Edge tout à l'heure avec la liste des jeux PC. Je vais essayer de nourrir le monstre. les références de jeux que je peux vous proposer à faire à l'antenne. Bon, bah là je vais clairement me prendre un vent parce que ma Camaro elle est pas de série, elle est pas assez puissante face aux bestiaux auxquels je fais face. On voit que je m'adresse déjà à la cour des grands et que je me prends un vent. Mais c'est vrai qu'elle est agréable à piloter, la Camaro, j'aime bien. Je m'attendais à une voiture plus nerveuse, mais non. Elle est souple, elle répond bien, elle est équilibrée. Respect. Pidipi. Pidi 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 pidi. J'ai encore les... Oh là là, non, j'ai mal pris le virage. J'étais en train de me vanter que j'ai encore à vue les concurrents, mais je suis vraiment bonne lanterne rouge. Mais... mon avis, au tour suivant, c'est mort, surtout que j'aurai plus d'endurance et des pneus dans un état pitoyable. Je suis réveillé depuis 7h du mat et j'avouerai que je commence à avoir un petit coup de barre. Je n'exclus pas le fait de me faire une petite sieste après-midi, chose que je fais jamais habituellement, mais si ça peut me permettre de rester aux aguets bien actif ce soir, que je suis censé tenir 21h minuit à l'antenne de FunFan, ce serait pas une mauvaise chose que je me pique un petit somme.
Oh là là, oui. Mes pneus sont dans un état lamentable. Non, là, je suis bon dernier. Ouais, j'ai complètement décroché le peloton. C'est foutu. Là, je vais stand pour changer les pneus. Ouais, j'ai un coup de barre là. Je m'écouterai là dans le quart d'heure qui suit, je retourne au lit pour me faire un petit somme. Mais il faut pas que j'oublie de me restaurer avant. Qu'est-ce que. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah non, ils ont mis l'école là, t'es obligé de sortir. Oula, faut pas que je m'entoure. Et puis je commence à avoir envie de soulager ma vessie, donc ça va m'encourager à rendre l'antenne. Je vais pas vous faire subir ça en mon absence de quelques minutes pour ça. Je le ferai après avoir rendu l'antenne. Eh bah, je suis à une nouvelle fois satisfait de. De ma progression là au travail dans la coulisse. Ah, Frobose, bonjour Frobose, j'espère que tu vas bien. J'étais en train de dire que j'allais rendre l'antenne et non, il n'y a plus personne, et puis que j'étais satisfait de mon boulot de cette semaine par rapport aux nouveautés. Au pire, tu regarderas le ralenti pour voir les petites nouveautés que j'ai expliquées les deux heures précédentes. Sinon, je rediffuserai demain matin de toute façon. Je vais peut-être avoir le temps de travailler dans ma coulisse cet après-midi, en plus de préparer le samedi commenté de soir avec Fun Fan sur Deus Ex, en espérant que Fun Fan puisse prendre l'antenne, puisque je le rappelle, il subit sa première injection de vaccin, donc il faudra espérer qu'il n'ait pas un contre-coup sévère au niveau de son organisme, et qu'il soit apte à faire le direct ce soir. Oui, non mais je vais bien, merci. Moi j'ai ma fatigue de la semaine, là... Mais ça, ce sera récurrent quand je prendrai l'antenne les week-ends pour décompresser en votre compagnie.
vous me verrez assez pato, surtout le samedi, puis je pense que vous me verrez plus en patate le dimanche, quand j'aurai fait une nuitée en grasse mat. Voilà, là je vais bien, merci tout plein. Wally, Wallyou. Ouais, je vais pas tarder à rendre l'antenne. De toute façon, je m'étais mis en limite max 13h en fait, parce que je veux pas me décaler au niveau des repas. Et je commence à avoir faim. Je sais pas ce que je vais me faire en miam miam, j'ai pas encore décidé, mais. Je vais regarder en fonction des restes que j'ai et les dates de péremption, forcément. Que je me fasse pas avoir. Chevrolet Camaro à l'écran. D'usine, hein, je l'ai pas modifié. Elle se pilote bien. Elle est agréable. Elle est agréable, cette culture. Je vais la garder d'origine dans ma collection. Ah là là. Là, je reconnais que j'ai un coup de mou, là. Ouais. Laguna Seca, c'est ça, t'as reconnu le tracé. Un célèbre tracé américain, parmi tant d'autres, j'ai envie de dire, parce que les Américains ont des beaux circuits automobiles. Avec le fameux virage au sommet du tracé, qui est très technique. Et qui fait l'occasion, enfin qui offre plus d'un accrochage entre les concurrents, toutes disciplines confondues, et de sacrées sorties de piste. Donc c'est bien ce matin, grâce au passage de Jess et de LJ entre autres, j'ai remarqué que je pouvais artificiellement sous voice meter amplifier mon signal microphone de 12 décibels, ce qui est pas rien, sans que ça grésille, sans qu'il y ait un bruit de fond désagréable, et ça vous permet vous de m'entendre de manière audible, sachant que j'ai mon micro devant moi, mais qui est à 60-70 cm de ma bouche. Comme ça, moi j'ai le confort d'être calé au fond de mon siège, ce qui est bien, hein. Je ne vais pas m'en plaindre. Vous pouvez m'entendre clairement à la voix. Donc ça, c'est une bonne nouvelle dans les peaufinages, réglages d'aujourd'hui. Ouais, on m'entend beaucoup mieux, bah, c'est très bien. Donc je vais mémoriser la config. J'ai gardé mon amplification de 12 décibels sur VoiceMeter pour la sortie microphone. C'est cool. Moi, ça, voilà, j'ai pas forcé ma voix à casser la voix, comme dirait Patrick Bruel, pour que je reste audible et voilà, que ce soit équilibré par rapport à ce que je diffuse. Entre la musique de fond et le jeu en cours, c'est l'idéal, c'est cool. Ah zen, là je me détends, là je suis bien, je suis satisfait de l'avancée de la chaîne, content de papoter avec vous. Bah tiens, pour le coup je rediffuse le... Je vais encore me planter, je le sens. La chaîne voilà. Twitch du Sage est actuellement en phase de test bêta, afin de vous garantir des émissions de qualité à partir du 1er janvier 2022. Dans l'immédiat, vous observez actuellement le signal depuis le canal secondaire, le -barobo-bas-du-bas-sage-bas-de-bas-nancy, mais vous êtes invité à interagir dans le chat de la chaîne principale, HTTPS. Voilà, il va pas au bout tellement que mon pavé est long. Non, c'est ça, c'est mes... Je vais faire la publicité de ma nouvelle chaîne YouTube, là, que j'ai ouverte il y a pas 15 jours, et que je commence fortement à alimenter en vidéo. Et tout ça pour dire que je vais mettre le ralenti de ce jour, je vais le mettre dès cet après-midi, je vais l'archiver pour ceux qui souhaitent. De toute façon, sur Twitch, déjà, je le rappelle, Twitch garde 15 jours, enfin 14 jours, la diffusion. Donc là, déjà, vous l'aurez tout de suite quand je vais arrêter la diffusion dans quelques minutes. Mais sur mon YouTube, c'est immortalisé voilà, de manière intemporelle, j'ai envie de dire. Je mettrai la vidéo sur YouTube dans l'après-midi, ce sera vite fait pour moi.
Comme ça, tout ce que j'ai ressassé comme nouveauté sur la chaîne ce matin, vous serez libre de le découvrir pour ceux qui n'étaient pas là en direct. Wally, Wally. Je ne sais plus quoi dire. J'ai rien d'autre de spécial à ajouter. Ouais, j'ai un petit coup de mou. Sans déconner, je crois qu'après mon déjeuner, je vais me faire une petite sieste. Piquer un somme, comme ça, ça me permettra d'avoir plus d'énergie pour ce soir. Ce sera une bonne chose. Il faudrait pas que ça devienne une habitude, hein. Je suis pas familier des siestes. Il faudrait pas que j'ai un coup de mou en semaine quand je bosse au niveau du rythme. Ah là là. Mais bon, exceptionnellement. Ah puis, il était pas. Voilà, pardon, je suis en train de mailler, la preuve. Enfin, ça veut dire aussi que je me détends. Voilà, je me suis pas mal, on va dire, usé à la tâche cette semaine. Ah, je t'ai donné envie de jouer à ton tour sur un autre simulateur qui arrivait bien plus tard, mais qui est de grande qualité. Et effectivement, le simulateur Assetto Corsa sur le circuit de la Laguna Seca, ouais. Le simulateur le plus récent que j'ai pu tester sur mon ordi. Que j'ai pu faire un temps avec mon volant avant qu'il pète, c'est je vais regarder dans mon Steam que je retrouve le nom, je l'ai plus de tête, mais ça c'est la fatigue. Catégorie simulation sport automobile, que je te dise le nom. Ah bah mince, j'ai trop remonté ma liste, du coup j'ai zappé le. Dans leur carnet, j'ai consommé mon ami. Voilà, pilotage, c'était. Project Car. Le premier Project Car. On m'a offert le deuxième. J'ai un cousin adorable qui me l'a offert en cadeau. Manque de bol, mon ordi est pas assez puissant. Donc j'y jouerai plus tard, quand j'aurai un ordi plus puissant. Mais non, c'est vrai que des simulateurs, il y en a des excellents. Je plébiscite toujours bien des années plus tard, alors qu'il est sorti il y a 20 ans. Mais même si ça fait, entre guillemets, graphisme pas top aujourd'hui, mais d'un point de vue intelligence artificielle et contenu, il est énorme avec la communauté de fans. C'est le GTR et GTR2. Ils sont vraiment là, pour le coup, autant Gran Turismo se vante d'être le véritable simulateur automobile. Je donne cette palme là, ce titre là à GTR2, qui est vraiment un. Je crois qu'il n'y a pas meilleur simulateur encore aujourd'hui. C'est, pour moi, c'est le top du top en contenu, en intelligence artificielle, tout. Il est complet, il est extrême. Enfin bon. Wally, Wallou. Et du coup, je coupe plus tout de suite parce que, comme t'es arrivé récemment, Frobose, je veux pas non plus te claquer la porte au nez. Je reste encore un petit peu. Voilà, donc le programme, cet après-midi, moi je ne diffuserai pas. Je vais bosser dans la coulisse et faire différents trucs. En plus, il faut que je fasse un peu de ménage. On se retrouve ce soir normalement chez FunFan à 21h pour le samedi commenté Deus Ex. En plus, il y aura une petite surprise. FunFan m'a contacté ce matin par rapport aux événements tristes là de le 20e, si on peut parler anniversaire. 20 ans après les attentats des deux tours, terrible. En raccord par rapport à l'œuvre vidéoludique, je risque de faire une intervention spéciale ce soir. À la demande de FunFan, et il a bien raison.
Oui, merci, oui, je peux arrêter. Bah, avant même d'ailleurs la fatigue, c'est-à-dire que je suis motivé par la faim. Et en plus, j'ai envie d'aller aux toilettes. Faut que je soulage ma vessie. Donc ça fait beaucoup d'arguments pour rendre l'antenne. Voilà. Mais sinon, voilà, je t'invite à regarder le ralenti sur Twitch, Froboz. Je vais couper là. Je vais finir sur le gros plan cam comme d'hab. Voilà. Pour pouvoir dire bye bye à tout le monde. Oui, on sent que je fatigue là. Je suis comme un jouet où il faut changer les piles. Je suis en train de. J'étais beaucoup plus dynamique à ma prise d'antenne tout à l'heure, aux environs de 10 heures. Mais c'est bien, je suis content de mes trucs. Ouais, bonne bouffe, bonne app, merci. Merci à tous les anonymes aussi hein, qui suivent, que ce soit en direct ou en différé, peu importe. Merci d'avoir regardé, toujours dans l'espoir que le contenu vous plaise, vous divertisse. On est encore hein, dans la phase bêta jusqu'à la fin de l'année. Donc ça va encore bouger, mais ça prend forme comme je le souhaite, je suis content. C'est cool. Ouais, allez, je vais couper là. Rien d'autre à rajouter. Bisous tout plein, merci, à plus, Robose. Théoriquement, un soir chez FunFan ou à la prochaine, hein, en fonction de ta présence. Merci tout plein. Ciao, ciao, allez, je coupe, bisous. Ah là 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 là. Allez, quick, on rend l'antenne, bien, bon app.